Yo, salut Cyan, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va faire une rapide vidéo pour te parler de l'organisation de sessions dans le contexte de la MAO, de la production musicale, en particulier de la création de morceaux. Alors, les principes que je vais te partager, c'est valable absolument quel que soit ton logiciel, que tu sois sur FL Studio, Ableton Live, Logic, peu importe. L'idée, c'est vraiment d'organiser tes sessions pour t'y retrouver facilement. Alors, je sais que ça peut paraître un petit peu rébarbatif et c'est quelque chose dont moi je parle souvent à mes élèves, notamment en coaching. Ce n'est absolument pas du temps de perdu de bien t'organiser. Vraiment, je sais que ça peut paraître un petit peu chiant, mais franchement, tu peux me croire, tu vas profiter d'un effet cumulé sur le long terme. Tout au long de ta session, mais aussi sur tes prochains projets, si tu t'organises bien, si tu renommes bien tes pistes, si tu fais un code couleur, par exemple, moi j'aime bien aller dans ce genre de détails, parce que je sais que prendre le temps de bien s'organiser, c'est du temps d'économiser plus tard dans ta session, quand ta session va être complexe, que tu auras beaucoup de pistes d'automation, d'instruments, etc. Tu seras bien content d'avoir une session qui soit propre et qui soit bien organisée. Donc là, ce que je te propose, c'est tout simplement de faire un petit tour d'horizon d'un morceau qui est bien avancé. Là, je dirais que la compo est terminée à 90%, mais peu importe. Et je vais te montrer un petit peu comment je m'organise. L'idée, c'est, t'es pas obligé de faire exactement comme je fais, mais tu peux t'en inspirer pour bien mettre à jour. Si tu te fais par exemple un template d'organisation pour ton organisation de travail, hein, donc un template par exemple pour tes sessions de production musicale, de compo, tu vas pouvoir t'inspirer de ça. Donc en gros la session elle ressemble à ça. Tu vois là j'ai un code couleur ici avec les instruments, on va dire dans le bas du spectre en fait. Donc j'ai le kick. Donc moi tu sais je suis sur un style musical plutôt dur, hein. Je te fais écouter vite fait si tu as un passage. C'est pas l'histoire de cette vidéo, mais je te fais écouter vite fait. Voilà, l'idée c'est pas de te parler forcément de la compo ou quoi, mais vraiment de l'organisation. Donc là en fait, comme je suis sur un style musical qui est très tourné autour du kick, hein, donc quelque chose de très dur, ça c'est valable en fait pour tout ce qui est art tech, hardcore, mais le même principe peut s'appliquer par exemple si t'es sur du dubstep ou si t'es même sur de la techno. En fait, dès qu'on est dans le bas du spectre, de fréquence, donc tout ce qui tourne autour du kick, de la basse et de vraiment les instruments qui vont vraiment exploiter les fréquences basses. Moi, j'aime bien les catégoriser comme ça dans le code couleur bleu foncé ici. Donc tu vois, on a donc aussi bien les instruments qui vont servir pour comment dire, les jeux de percussion comme le kick, mais on a aussi les automations. Moi, je mets tout là-dedans. Tu vois, là, j'ai par exemple un clic d'automation pour le pitch bend, donc modifier la hauteur de la note du kick. On peut avoir ici comment dire, le volume en fait, hein, l'automation de volume, etc., etc. Donc tout ça en fait ça va être en bleu. On a aussi tout ce qui est basse, donc par exemple on peut avoir une growl bass ici, on peut avoir d'autres types de basses, mais peu importe, en gros je vais tout mettre en bleu comme ça, tu vois. Et tu vois, j'aime bien me faire chier entre guillemets, mais je sais que ça m'aide aussi. Même les petites icônes comme ça, tu vois, là par exemple j'ai une petite icône pour dire que c'est un instrument, et ici quand c'est un potard comme ça, tu vois, un potard rotatif là, c'est une automation. Donc à chaque fois qu'on a cette icône là, je sais que c'est une automation. J'ai pas besoin de, tu vois, de me poser la question si vraiment j'avais un doute, par exemple. Bon là c'est assez clair, mais voilà, moi j'aime bien vraiment optimiser la session pour que ce soit le plus clair possible, parce que ça permet de travailler plus facilement et plus rapidement tout au long de ton projet. Donc en gros voilà j'ai ça. Ensuite là j'ai les rythmiques qui ne rentrent pas dans la catégorie des instruments qui sont dans le bas du spectre, comme le kick et la basse, qui sont vraiment des éléments dominants. Là ici on va voir les drums, on va dire de manière un peu plus secondaire, hi-hat, crash, etc. Donc ça c'est en bleu clair.
Ici, on va avoir les ensembles mélodiques, hein, donc voilà, ça peut être progression d'accords, mélodie, hook, etc. En jaune caca, un peu genre kaki ici, là c'est tous les aspects vocaux. Ça peut être des chops, ça peut être des dialogues, ça peut être des chants, ça peut être, enfin tout type de vocal, en fait, je vais le rentrer là-dedans. Et tu vois qu'à chaque fois, on a le même principe, c'est-à-dire que là, par exemple, j'ai ici les notes qui sont séquencées pour le vocal, et ici je vais avoir par exemple l'automation de volume. Mais voilà, après toi tu peux vraiment faire à ta façon. Si tu veux par exemple séparer les notes et toutes les regrouper tout ce qui est séquençage dans une première partie comme ça de ta session, et mettre toutes les automations comme ça de volume, de pitch, etc. dans une deuxième partie de ta session, tu peux très bien le faire, hein. C'est vraiment à ta convenance. Et ici, en turquoise, j'ai ce que j'appelle other, c'est tous les sons qui ne rentrent pas dans les autres catégories. Donc ça peut être des FX, des petits bruitages, ça peut être des petits... tu vois, j'ai même un gong. Alors j'aurais pu le mettre dans les percussions, sauf que gong, en fait, comme j'utilise rarement un gong dans mes productions, j'ai choisi de le mettre dans cette catégorie, mais peu importe. Encore une fois, ce vocabulaire, c'est à toi de faire avec les mots qui te parlent, hein. C'est un peu pourri de dire ça, les mots qui te parlent. Non, mais les mots qui te, le, tu as les termes en fait qui te conviennent. Donc voilà, en gros c'est ça. Et ce code couleur et ce vocabulaire, bah, je l'ai repris ici dans le channel rack. Donc c'est là où il y a tous les instruments. Tu vois là ici le bas du spectre, ici les drums, les percussions secondaires. En rose là tout ce qui est mélodie. En kaki, tout ce qui est vocal, et ici, là, c'est tout ce qui est, comment dire, tout ce qui est autre, les nappes d'arrière-plan, les choses comme ça. Donc là, j'ai mis tous les instruments des automations, en fait, ici, comme ça, donc qui sont catégorisés de la même façon qu'on retrouve sur le séquenceur global, ici. Par exemple, je vais avoir mes notes de kick, et là, je vais avoir, comme ça, les automations de kick. On voit que ici, dans ce qu'on appelle le channel rack dans FL Studio, j'ai la même disposition, les notes du kick qui sont là, et là on a les automations. Donc voilà, et tout ça en fait, ça arrive dans le mixeur, pareil avec le même code couleur, tu vois, quand je fais lecture là. Même code couleur, même tu vois, des fois on peut même remettre en fait les petites icônes, etc. Donc bref, encore une fois, tout ça, ça peut paraître des détails, etc. Moi, je sais que ça m'aide. Je te conseille de t'en inspirer pour appliquer en fait ce principe. Faut pas oublier que quand tu démarres une session, par exemple, si tu démarres soit avec un template, soit avec un fichier qui est complètement vierge, c'est simple, y a rien, c'est super pour commencer, etc. Tu peux ramener des instrus, faire des petites automations, des choses comme ça. Au départ, c'est pas trop galère parce qu'il n'y a pas trop de comment dire d'items en fait, c'est-à-dire il n'y a pas trop de séquences d'automation, etc. Par contre, plus tu avances dans ton projet, plus tout ça va se multiplier dans tous les sens, et donc plus ça va devenir un peu le chaos, un peu le bordel, de manière presque exponentielle. Là, tu vois, la session, elle est déjà bien avancée, et encore, moi, j'essaye d'être assez, entre guillemets, minimaliste, c'est-à-dire de ne pas multiplier les samples ou les pistes pour rien. J'essaie vraiment d'économiser à chaque fois pour vraiment faire en sorte que chaque instrument ou chaque piste ou chaque automation soit vraiment bien exploité et qu'il n'y a rien qui ne serve à rien. Et pourtant, il y a quand même pas mal de choses. Et là, franchement, c'est une session qui est relativement simple. Chez d'autres producteurs, on peut avoir des fois des sessions qui peuvent avoir beaucoup, beaucoup plus de pistes. Là, tu vois, j'en exploite pas non plus énormément. Pour un morceau complet, ça va. Donc voilà ce que je vais te partager aujourd'hui. Alors tout ça, en fait, là, c'était vraiment un survol ce qu'on a vu aujourd'hui. Encore une fois, l'organisation de projet, c'est hyper important, surtout si tu n'arrives pas à terminer tes projets. Si tu commences un morceau mais que tu n'arrives pas à aller jusqu'au bout, c'est probable que le manque d'organisation t'empêche d'aller dans le bon sens. Et ça, si ça t'intéresse d'aller plus loin, je te présente la méthode Shuriken. Donc tu auras un lien en description. La méthode Shuriken, qui est incluse dans le gros pack en fait que je présente maintenant, qui s'appelle la Masterclass DJ Producteur. La Masterclass DJ Producteur, si tu veux, c'est le pack avec toutes nos formations DJ et MAO et Music Business qu'on a sur la guerre des potards, hein, donc c'est vraiment tout ça.
Il y a plus de 45 formations à un tarif défiant vraiment toute concurrence. Et dans la méthode Shuriken en particulier, on reparle un peu de tout ça, tu vois, de l'organisation, on va quand même bien plus loin. Et on voit aussi comment dire, les tenants et les aboutissants d'une session comme ça de travail qui est bien organisée. Quel impact ça va avoir de bien organiser ta session de travail et quelle est la relation entre l'organisation et les différentes étapes de la création d'un morceau. Par exemple, la phase de sound design, la phase de l'écriture de mélodie ou de rythmique, les arrangements, l'orchestration, puis après il y a le mixage, puis le mastering, même la publication sur les réseaux sociaux jusqu'à Spotify, Beatport et compagnie. Donc l'organisation de travail, si tu veux, elle va vraiment avoir un impact sur chaque sous-étape, si tu veux, de tout ce processus. Et tout ça, en fait, on le voit donc dans la méthode Shuriken, et on voit en fait avec un workflow, c'est-à-dire une organisation de travail qui est cohérent, il y a une homogénéité du début à la fin, c'est-à-dire de l'idée de ton morceau jusqu'à ce que ton morceau soit complètement terminé et qu'il soit commercialisable. Donc tu vas voir dans la méthode Shuriken, tu as aussi des formations thématiques pour apprendre à composer des mélodies, même si tu n'y connais rien en théorie musicale, pour faire tes enregistrements, tes arrangements, le sound design. Donc voilà, t'as vraiment tout ce qu'il faut pour pouvoir créer tes morceaux de A à Z. Tout ça, c'est en lien dans la description. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pense à mettre un petit pouce comme ça, à t'abonner à la chaîne et je te dis à très bientôt. Ciao !